Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, on espère que vous allez bien. Donc, ce soir, je vais me retrouver toute seule pour animer, mais je suis avec une foule en délire avec moi à côté. Donc, avec Cécile et Stéphanouille qui sont là pour parler des priorités. Donc, les priorités dans la vie, on a beaucoup de priorités. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Stéphanie nous regarde et Cécile nous dit coucou. Mais coucou à vous. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à l'heure. Ça change. Ma coiffure, elle est toujours aussi design. Mais on va y arriver. Donc, je vais partager l'écran et on va trouver le PowerPoint comme d'habitude. On espère que vous avez passé une bonne semaine quand même. Et que vous êtes prêts pour ce week-end, que vous avez plein de projets dans votre tête et que vous avez plein de choses à faire. Et justement, on va parler de ça un petit peu.
mettre des objectifs et mettre des priorités sur certaines choses. Donc, eh bien, nos priorités, nos objectifs, donc avec Annie Conturo, patiente éducatrice, donc et moi-même, et qui est présidente des associations de patients. Et je fais plein d'autres choses à mes temps perdus et je suis toujours là. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver T'as du les temps perdu? mardis. Oui, à mes temps perdus, oui. Ouais, ah bon? Et je suis toujours là pour vous retrouver les mardis et les vendredis. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, le petit bonhomme qui vous fait le clin d'œil, comme d'habitude. Bonsoir, Maryse. Et on va commencer par. Aujourd'hui, c'est une table ronde, mais vous pouvez interagir. C'était en premier lieu définir ce qu'étaient les priorités. Donc, la définition de la priorité, alors ça vient du Larousse. Donc, les qualités de ce qui vient passent en premier dans le temps. En priorité, en premier lieu, et doivent passer le premier. Donc, ça, c'est au code de la route, la priorité à droite. Donc, la qualité de ce qui vient. Qui passe en premier dans le temps, c'est qu'en fait, sur un temps déterminé, en priorité, je vais m'organiser et je vais faire ça, ça, ça. Et en premier lieu, c'est-à-dire que vous décidez que votre priorité, ça va être de faire telle action, ça va passer en premier en fonction de toutes les autres. Voilà les définitions du Larousse. Ensuite, alors. Définir ses priorités dans la vie en se posant les bonnes questions. Donc déjà, la première question, c'est de quoi j'ai envie. Si vous ne savez pas de quoi vous avez envie, vous ne pouvez pas définir vos priorités. On en revient toujours à la même chose. Les priorités, elles doivent partir de vous, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de partager avec les autres, de ce que, vas-y. Oui, de quoi j'ai envie. Des fois, on n'a pas envie, mais on sait que c'est bien pour nous, donc on le met en priorité. Oui, mais l'envie, c'est la décision. C'est ce qui vient dessous, qu'est-ce qui est important pour moi. On en revient toujours à soi, en fait. Oui. Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir et comment je vais accepter de me passer en priorité? Parce que bien souvent, dans ce qui se passe, c'est que on se fait pas passer en priorité. On fait passer en priorité les autres. C'est ça. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Si après vous décidez que dans votre vie, eh bien, votre priorité, c'est votre famille, c'est votre travail, et si vous vous oubliez, ça, c'est votre décision. Mais par contre, après, il ne faut pas dire, ben, je me suis oublié, parce que vous aurez décidé de vous oublier au détriment de votre santé, au détriment de plein de choses, en fait. Donc, ça, c'est important de voir que. Définir ses priorités dans sa vie, on aurait pu mettre dans sa vie, en se posant les bonnes questions sur soi-même. Donc, il faut faire une introspection sur soi et se dire, ben, quelque part, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Et est-ce que moi, je suis ma priorité de moi-même? C'est ça qui est compliqué. Passer les autres Et oui, on peut toujours passer les autres après soi-même, mais avant. avant soi. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, quand vous regardez de faire toujours passer les autres avant vous, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la priorité de l'autre, bien souvent, vous restez dans votre galère et les autres font passer leur priorité. Et ça te fait un effet boomerang et tu Voilà, prends tout dans la gueule. c'est ça. Donc, c'est pas. En fait, vous ne faites pas faire passer ces priorités. Il y a des personnes qui me disent. Et c'est égoïste, c'est être égoïste. Alors moi, je trouve que c'est pas être égoïste, c'est pas la Non. définition du Larousse. C'est pas penser qu'à soi, c'est pas être non réaliste. Avoir du bon égoïsme, c'est-à-dire c'est penser à nous-mêmes. Déjà, on ne peut pas se construire soi-même si on n'est pas encore en accord avec nous et on ne peut pas être là pour les autres, en fait. Donc, pour moi, votre priorité, ça doit être vous. Ça, c'est que mon avis personnel, bien sûr, que je vous partage. Comme tous les mardis et comme tous les vendredis. Après, vous en faites ce que vous voulez en faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, Gégé. Gégé Lo. Gégé Lo.
qui nous regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre avis sur ce qui se dit. Donc, par contre, quels sont les risques? Parce qu'il y a des risques. Nos priorités, de ne pas définir des priorités, nos priorités, il y a des risques. C'est quoi? C'est commencer plein de choses sans jamais les finir. Donc, c'est-à-dire, on va partir tout azimut, on va se dire, ben là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Vos journées, elles n'ont que 24 heures. Vous allez passer un temps à dormir. Et puis, en fin de compte, vous allez commencer plein de choses et puis vous n'allez jamais finir les choses. Et vous allez vous dire, ben, l'estime de vous, elle va être mauvaise. Voilà. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est important de voir que le risque de ne pas poser des priorités, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller au bout des choses et donc vous n'allez pas aller vers une valorisation de vous-même. Donc, te retrouver là où tu ne devais pas te retrouver. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez, dans un exemple, si vous décidez de, ben, qu'il y a des personnes que vous n'appréciez pas et que ben, la priorité, c'est parce que ça fait plaisir à votre mari ou à vos enfants et vous allez y aller, ben, vous allez vous retrouver dans un lieu où vous n'avez pas envie d'être. Donc, quand on parlait tout à l'heure dans la diapo d'avant, que je vais remettre, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et bien là, vous voyez que vous avez oublié ça, en fait. Puisque vous ne vous retrouvez pas bien là où vous devez vous retrouver. Et pour vous, c'est pas, vous ne prenez pas de plaisir à être là. Alors, vous pouvez prendre du plaisir parce que ça fait plaisir à un autre. Mais ce n'était pas votre priorité parce que vous avez peut-être prévu autre chose et vous allez laisser tomber certaines choses. Comme le monsieur là qui saute au drapeau. Un peu loin. Il est propulsé, mais est-ce qu'il n'a pas réfléchi qu'il était peut-être un peu loin du drapeau? Et il n'a pas réfléchi que la priorité de l'autre, c'est de l'envoyer pour qu'il attrape le drapeau. Mais lui, s'il n'a pas pensé aux choses, eh bien, le drapeau, il ne va jamais s'en saisir, il va se vautrer, en fait. Et c'est ça, un peu, cette image. C'est-à-dire que les risques, on risque de chuter et de se retrouver dans des situations t'épuiser à faire ce que tu n'es pas censé faire. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre un temps infini à faire des choses toujours pour les autres. Et en fin de compte, tu vas t'épuiser à faire tout ça et tu ne vas pas avoir de temps pour toi, en fait. De temps et d'énergie. De temps et d'énergie. Parce que l'énergie, pour l'énergie, pour dépenser de l'énergie sur de la durée et du temps, il te faut avoir une ressource d'énergie. Si cette énergie, tu la dépenses pour les autres, ben, tu auras du temps pour les autres. Et tu auras plus de temps pour toi. Et ça aussi, ça entraîne le risque d'être frustré et d'être insatisfait de certaines choses. Donc, la frustration, c'est-à-dire que vous allez être frustré parce que votre priorité, vous n'avez pas défini bien vos priorités et vous n'allez pas atteindre votre objectif. Parce que dans les priorités, il y a les objectifs. On va voir tout à l'heure sur la pyramide, on les construit différemment, mais c'est à peu près la même chose. Excusez-moi, je regarde s'il n'y a pas de... Tu peux les voir, toi, les... Non, là, je n'ai pas de commentaires qui apparaissent. Ouais, mais sinon, tu les vois. Attendez, parce que j'ai perdu le... j'ai perdu le fil, ça y est. Donc, si vous avez des questions hein, ou des remarques, vous pouvez les faire. Donc, être frustré et insatisfait, ne pas tenir tes engagements. Ah, c'est Stéphanie qui se reconnecte. Ne pas tenir tes engagements et donc ne pas être quelqu'un de fiable pour tes amis. Alors, en fait, ça aussi, c'est pareil. Si c'est un engagement, la priorité, c'est un engagement vis-à-vis de toi. Et des fois, tu t'engages vis-à-vis des autres. Donc, en fait, tu t'engages quelqu'un qui ne peut pas tenir cet engagement parce que vis-à-vis des autres, et tu passes pour quelqu'un qui n'est pas fiable parce que si tu t'engages auprès de ton ami à être là à un moment donné, et qu'en fait tu pars ailleurs parce que tu ne veux pas blesser quelqu'un, parce que l'autre t'a demandé de faire quelque chose, mais tu vas en décevoir quelqu'un, un des deux va être déçu, et donc ben, en fait de ne pas tenir ton engagement, ben, ça fait que tu ne seras plus fiable pour tes amis. Et tu peux te retrouver comme ça, isolé et seul, en fait.
Donc, c'est ça la difficulté. Est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que ça va? Donc, en fait, Oui. dans tout ce qu'on a vu sur de pas tenir ses priorités, y a rien de très positif dans tout ça, hein. Et c'est exactement tout ce que j'ai pris, c'était dans une revue scientifique. Et en fait, la personne, elle disait que c'était exactement ce qu'elle avait vécu. Et pendant longtemps, elle n'a pas forcément pris le temps de définir ses priorités, ou du moins, elle savait dans le fond que c'était important pour lui et que ça l'était moins pour les autres, mais sans plus. Mais en fait, il vivait au rythme de ses émotions, de ses envies et de son énergie. Et il n'a jamais voulu prendre le temps de se poser. Il allait dans différentes activités, différents projets, car il aimait être utile. Et le résultat, c'est qu'il n'avançait pas vraiment et se disait qu'il était important pour moi qu'il se recentre sur lui et que, en fait, il fallait qu'il fasse des choses et qu'il avance, en fait. Donc ça, c'est clairement pourquoi la clé d'identifier clairement vos priorités. Ça, c'est primordial. Donc, ça, c'était sur un exemple de quelqu'un qui a raconté la connexion est instable. On nous a toujours. Hein. Donc, c'est partager ce que je sais et aider les autres à réaliser leurs projets. Démarrer un blog sur l'organisation et la gestion de projets. Me former pour acquérir des compétences dans le domaine de la gestion du contenu web. Donc, ça, c'est des exemples dans lesquels des personnes ont fixé des priorités. Accompagner des amis dans la réalisation de leurs projets. Acheter un nom de domaine pour le blog. S'inscrire à la formation WordPress pour la gestion du blog. Créer une page Facebook et Instagram pour le blog et publier un nouvel article. Donc ça, c'était une personne qui s'était mis des priorités parce qu'elle voulait créer un blog. Donc c'était en fait c'est un cahier des charges et un genre d'organisation pour que, en fait, dans le temps, son projet puisse être viable. Il s'est fixé des priorités, en fait, pour qu'à la fin, il arrive à publier des nouveaux articles. Et arriver à faire ce qu'il voulait, en fait. Voilà un exemple concret sur une personne qui s'était fixé des priorités. Donc, c'est une vraie question. Pardon. Mais ce n'est pas grave. Tu peux éternuer, hein? On n'est pas là. On est des êtres humains et des êtres vivants, hein? Alors, à tes souhaits, donc déjà, on a dit. Donc, nos priorités, c'est une vraie méthodologie. Donc, c'est un apprentissage qui nécessite un certain entraînement, mais qu'on ne quitte plus une fois qu'on le comprend, les bénéfices au quotidien. Donc, ça, c'est pareil. C'est comme tout apprentissage. Au début, ça vous semble complètement difficile et très, très, très compliqué. Mais on se dit, bon, non, je ne vais pas le mettre en place parce que ça me semble compliqué. Ben, c'est lorsque vous posez la question quand vous marchez, quand vous êtes enfant. Si la marche est compliquée, je pense que si vous posiez la question quand vous êtes enfant, est-ce que la marche est compliquée? Eh bien, vous ne mettrez pas à marcher parce que c'est un apprentissage qui est compliqué. Tout apprentissage est compliqué, mais ça nécessite de renouveler l'expérience, de faire certaines choses, de se casser la figure de temps en temps, Persévérer. de persévérer. Mais parfois, excusez-moi, je commence à avoir chaud, donc je me dessape. N'enlève Mais pas tout. non, on n'en est pas plus, non. Je resterai comme ça. Remarque, j'ai mis une brassière là. Et ma brassière, c'est bien parce que ça peut faire. Ça fait mode à ce qui paraît. Donc, une fois qu'on comprend les bénéfices qu'on va en tirer au quotidien, mais cet apprentissage, ça sera comme un acquis parce qu'on se sera entraîné et parce qu'on aura vu les bénéfices qu'on pourra en tirer. Après, vous qui pensez avoir besoin d'apprendre à vous fixer des priorités, je vous propose aujourd'hui de vous poser trois questions. Mais quelles Mais sont-elles? lesquelles sont-elles? Les trois questions sont: qu'est-ce qui détermine mes priorités? Pourquoi c'est important?
Pourquoi c'est important d'après vous? Christelle, bonsoir Christelle. Donc pourquoi c'est important de se poser ces trois questions? Qu'est-ce qui détermine les priorités? Parce que dans quoi je m'engage en premier, pour moi. Donc déjà, c'est qu'est-ce qui détermine mes priorités? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Et si je détermine que mes priorités, c'est moi en premier, c'est un certain engagement ou que vous prenez avec vous-même ou que vous prenez avec les autres. La deuxième question, c'est quels sont mes chronophages? Donc, quelles sont mes priorités qui sont chronophages? Si vous faites la liste, je suis sûre, si vous prenez un stylo et une feuille et que vous posez ces questions, vous allez voir que chronophage, c'est ce qui prend du temps. Et prendre du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prendre du temps, c'est de l'énergie. Et si vous posez votre sac, vos valises, et que vous réfléchissez sur tout ce que vous mettez en priorité, qui vous prend un temps fou, et qu'en fin de compte, qui n'aboutit à rien, bien, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu de l'énergie. Et donc, cette question, elle est essentielle. Elle est essentielle à répondre. Parce que des fois, on se dit, non, non, mais on ne peut pas passer du temps en famille, admettons. Mais c'est important parce que dans mon éducation, c'est comme ça. Et que, en fin de compte, ça vous prend du temps. Et pour revenir toujours à la diapo, et j'y reviens parce que j'ai la main, je suis très contente. Est-ce que c'est important pour moi et est-ce que ça me fait plaisir? Eh bien, si passer du temps en famille, ce n'est pas important pour moi et si ça ne vous fait pas plaisir et que c'est plus une perte de temps qu'autre chose, ben ce n'est pas parce que tout le monde va vous dire que c'est important de passer du temps en famille que vous devez le faire en fait. Aller rendre service à quelqu'un alors que lui ne vous rend jamais de service. Et ben c'est parce qu'on a bon cœur, et ben des fois on se dit, ben puisqu'on a bon cœur, et ben on va faire une sorte de rendre service à l'autre, mais ça vous prend un temps fou. Et quand vous avez besoin, eh bien, vous voyez que l'autre, il n'est jamais là, il n'est jamais disponible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à lui rendre service parce que vous avez bon cœur? Ou est-ce que pas prendre... Non, mais il insiste, le monsieur. Je m'excuse, monsieur, je suis avec Balance Ton Live, donc je ne peux pas vous répondre. Voilà. Mais les gens, il faudrait qu'ils sachent que je suis à l'antenne tous les vendredis, tous les mardis soirs. Donc, vous rappellerez quand je serai disponible. Et je vous répondrai quand je serai disponible. Donc, je disais donc, quand vous vous rendez compte que vous perdez du temps avec des personnes pour toujours l'aide au déménagement, je vous donne des exemples. Hein. C'est toujours dans le même sens. Ça va toujours dans le même sens. Et bien là, on se dit, oui, mais quand même, je ne peux pas faire ça parce qu'après, elle va penser que je ne suis pas de bonne composition. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vous positionner. Il y en a qui disent le positionnement, je sais le faire. Oui, c'est, quelque part, des fois, on dit aussi se positionner. Mais des fois, dans des choix comme ça, eh ben, on ne sait pas parce qu'on se dit, s'il ne m'aimait plus, et si après je le perdais en tant qu'ami, et si je me retrouvais seule. Eh bien, en fin de compte, à un moment donné, il faut porter ses couronnes, hein, et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, tout ce qui est chronophage, il faut l'éviter et le mettre de côté. Après, la troisième question, c'est comment puis-je concrètement améliorer l'organisation de mon quotidien? Donc ça, c'est vous qui allez y réfléchir et qu'est-ce que vous allez pouvoir définir? C'est poser sur une feuille de papier. Concrètement, votre quotidien, il est quoi à l'heure actuelle et aujourd'hui, ici et maintenant? Et concrètement, qu'est-ce que je voudrais améliorer dans cette organisation du quotidien? Mais c'est pas forcément des grandes choses que vous devez mettre. Hein. C'est peut-être des petites choses, des choses qui vont faire que ça va vous changer radicalement la vie alors que vous avez amené une petite amélioration dans l'organisation de votre quotidien. Avoir peut-être un agenda, noter peut-être des choses. Quand on parle de pensée, coucou Françoise,
Quand on parle de pensée positive, c'est justement qu'est-ce qui va améliorer dans mon quotidien? C'est peut-être tenir un agenda où on va noter tous les jours qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma journée, alors que j'ai l'impression que dans ma journée, il n'y a que des choses de merde, en fait, quelque part. Donc, comment puis-je concrètement améliorer l'organisation de mon quotidien? C'est-à-dire que déjà, il faut que vous vous posiez devant une feuille et que devant cette feuille, vous vous dites, eh bien voilà, c'est comme ça, je suis ça, eh bien je voudrais améliorer de un chouïa peut-être, hein. Ça ne va pas être des modifications qui vont chambouler vos vies, mais au moins que vous teniez à cet engagement-là. Donc pour moi, ces trois questions, elles sont essentielles. C'est qu'est-ce qui détermine mes priorités, quels sont mes chronophages, donc mes priorités chronophages, et comment puis-je concrètement améliorer l'organisation de mon quotidien. Ça, c'est important. Est-ce que par rapport à ces questions, vous avez des choses déjà? Est-ce que vous pensez que pour vous, là, autour de cette table, c'est utile de se poser ces trois questions? Mais bien sûr. Mais oui. Est-ce que vous allez vous y mettre peut-être? Je pense qu'on s'y est déjà un peu mis. Mais plus régulière, c'est la régularité Voilà, qui c'est la manque. régularité. Parce que les priorités, si on est venu à l'association, si on adhère à l'association, c'est qu'une des priorités, c'est notre santé et prendre soin de nous. Oui, donc ça Donc, c'est la priorité, elle y est. la priorité, on va le voir après dans la pyramide, ça c'est la principale priorité. Voilà, elle y Après, il est. y Et a des après, c'est petites priorités. voilà, après, c'est sur la régularité parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous empêcher de. Parce que, D'avancer, de faire, oui, voilà, il de... faut qu'on fasse autre chose en priorité et nous, on passe après. Et tout ça. Et Voilà. c'est ça qui est difficile à tenir. Donc vous allez voir que par rapport aux objectifs et à la priorité, comment on se place sur les niveaux, c'est différent des objectifs. Les objectifs, on vous parle d'objectifs d'abord à court terme, à moyen et à long terme. Sur les priorités, ça va être le contraire. Alors, avant de parler des objectifs, on va parler de quelques chiffres. Je suis désolée, j'avais oublié ces quelques chiffres. Donc, 61%, 61%, je cherche mes papiers, la documentation. 61% des 18-29 ans estiment que les amis sont très importants dans la vie. Et ils sont 84% à les voir toutes les semaines ou presque. Donc ça, c'est une valeur des jeunes qui a été publiée dans les éditions Hartmann. 14% des femmes qui créent une entreprise ont entre 25 et 29 ans. 17% entre 30 et 40 ans. Et 65%, elle cite le désir d'être indépendante comme principale motivation, note l'agence de création d'entreprise d'après une étude de l'INSEE en 2002. Donc vous voyez bien que ces chiffres-là, quand on regarde les chiffres des jeunes, les 61% des 18-29 ans estiment que leur priorité, ce qui est le plus important, c'est les amis. Voilà. Donc, c'est énorme, 61%. Ils sont 84% à les voir toutes les semaines ou presque. C'est l'âge où on crée des amitiés, Oui. où la vie Mais sociale est très importante. 29 ans, c'est quand même un peu Bah, âgé, hein. oui, non, mais Moi, 18 ce ans. qui m'a... Ce qui m'a interpellé, c'est que on n'est pas dans les 18, 20, 21 ans, tu vois. Oui. On est quand même. La tranche d'âge est grande, mais pour moi, c'est évident pour les autour de 18 ans, on va dire. Après 29 ans, 84% les voient toutes les semaines. pour moi, on est un peu sorti de ça déjà à 29 ans. Je pense que tu peux avoir des priorités qui sont autres. Mais vous avez vu que c'est important, d'après cette étude-là, c'est important. Moi, je trouvais, ce qui m'a surpris vraiment, c'est que la tranche d'âge, elle était quand Très même... large. Et c'est pour ça que plus on dit maintenant que les personnes, les crises d'adolescence,
vont de plus en plus tard, en fait, sont de plus en plus tardives, parce qu'avant, on te disait que les personnes qui étaient en crise d'adolescence, ça durait jusqu'à 17-18 ans, et maintenant que même jusqu'à 25-26 ans, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, là, hein, on s'aperçoit que les jeunes veulent rester de plus en plus jeunes et mettre des priorités sur des choses où tu commences à construire. Non, avant, à notre époque, on avait commencé déjà à bâtir notre vie, en fait. Et la priorité, c'était le travail, c'était construire sa famille, c'était avoir une vie sociale, d'accord, fournie, mais c'était pas cette priorité-là, en fait. C'est ça. Et vous voyez bien que sur les femmes, 14% qui créent une entreprise entre 25 et 29 ans, et 17% entre 30 et 34 ans. Donc, et 65%, la motivation de ces femmes-là, c'est le désir d'être L'indépendance. indépendante comme principale motivation. Donc, vous voyez que... Donc, les jeunes, ils préfèrent être indépendants plutôt Mais là, c'est plus sur les femmes. Oui. Les chiffres des femmes, les hommes n'ont pas les mêmes priorités. Parce qu'en fait, je pense qu'on en revient à la femme maintenant dans notre société actuelle, qui veulent être de plus en plus autonomes et qui veulent être... Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise. Avant, Oui. les chefs d'entreprise ou les PDG, c'était des hommes. Maintenant, ça commence à s'inverser et ça commence à être un peu plus équitable. C'est vrai que les femmes, elles ont plus tendance à essayer de lancer une grande carrière jeune et après à C'est fonder leur famille et tout ça. ça. Mais dans un premier temps, souvent. Et on voit même dans le bâtiment maintenant, hein, les personnes qui sont... Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise. Des architectes, il y a beaucoup de femmes. Avant, on appelait ça des métiers d'hommes. L'autre jour, je voyais à l'hôpital, il y avait des peintres. Eh bien, il y avait deux femmes qui étaient peintres dans l'entreprise, en fait. Ben moi, celle qui est venue pour mon dégât des eaux, et ben c'est une femme. Et voilà. Donc, vous voyez que aussi, la motivation profonde, on en vient dans la société d'maintenant, où les femmes veulent être indépendantes le plus tôt possible. Et ça, c'est leur principale motivation, en fait. Et ça, c'est déjà en 2002. Donc, en Je pense 2002, que ça ça s'est fait... accentué En depuis, hein. 2002, c'est déjà loin, quand même. Maintenant, avec l'effet, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le truc des femmes, là. La Ligue. Non, non, la mouvance, là, des femmes, où tout le monde... Bonsoir, Claudette, pardon. Le truc, là, que c'est toujours le féministe, là. Le truc des féministes, c'est le mot en anglais. Enfin, donc maintenant, encore plus, toutes ces pressions qui arrivent et cette lutte justement pour l'équité des femmes en premier, ben les femmes sur le même droit des hommes et tout ça, je pense que quand même les chiffres ont dû bien, bien évoluer. Changer. Donc, là... Mais je pense que j'ai oublié. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Non, peut-être pas. En fait, nous allons continuer comme ça. Donc, la pyramide de nos priorités. Donc, tout en haut, là, c'est ce que je vous expliquais. Vous allez avoir les priorités. Avant, c'était sur les objectifs, on était à court, à moyen et à long terme. Donc, la pyramide à côté, elle ne correspond à rien, elle correspond juste à une pyramide. Ah, j'essayais de dire, mais c'est Non. en anglais. Non, 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 c'est Ah, juste le dessin d'accord. de la pyramide. Donc, tout à haut de la pyramide, ce que vous allez mettre, c'est votre première priorité. Donc, ça veut dire que c'est la priorité à long terme. Et alors que sur les autres, on définissait les objectifs dans la pratique, les priorités à court terme déjà. Là, en premier, vous allez définir à long terme, comme tu disais tout à l'heure, pour ta santé, ma priorité, le but de ma vie.
c'est de prendre soin de ma santé. C'est pour ça que je viens à l'association. Donc ça, c'est quelque chose que tu veux tenir sur du long terme. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un engagement qui est fort, mais tu vois que c'est quelque chose qui va loin. Donc, nous sommes tous sur Terre pour une raison ou pour une mission. Donc, on va prendre cette pyramide et définir la pyramide de nos priorités sur tout ce qui est en haut de la pyramide, c'est ce qui va à laquelle vous allez penser le plus souvent et qui doit vous épanouir et qui doit prendre soin de vous. Ensuite, par contre, à la différence du reste, c'est dégressif. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir après le moyen terme. Donc, le moyen terme, c'est cette année, ce trimestre, alors que sur les objectifs, c'est le contraire. Donc, si je devais résumer les priorités à moyen terme sous les étapes, ça serait des priorités, comment je vais avancer, qu'est-ce que je vais faire dans un trimestre, mettons. Alors que mon objectif principal, mon objectif prioritaire, c'était je vais prendre soin de ma santé globale. Et bien, ce trimestre, je décide de prendre rendez-vous chez des médecins parce que ça fait trop longtemps que je le repousse. Ça, c'est à moyen terme. Et après, vous avez les priorités à court terme. Donc, c'est aujourd'hui, demain ou ce mois-ci. Donc, les priorités à court terme sont les priorités aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Et ça, c'est ce que vous allez faire pour vous imprégner des choses. C'est qu'on appelle ça des to-do list. Alors, c'est se servir de liste et vous allez lister quelles tâches je dois faire par échéance, en fait. Et en fait, ça vous permettra de vous organiser, déjà. Ça vous permettra de trouver du sens à ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir barrer ce que vous avez fait. Ça fait du bien. Vous allez pouvoir vous valoriser et vous allez pouvoir vous organiser mieux, en fait. Et vous verrez que des fois, quand vous allez mettre sur votre to-do list, s'il y a quelque chose qui va venir en priorité, ben vous décidez de faire ça parce que c'est plus simple et laisser l'autre parce que c'est un peu plus compliqué et y passer parce que vous allez avoir plus de temps. Donc, de l'écrire concrètement, c'est important pour que justement vous arriviez à... Bonsoir Aurélie. Pour que vous arriviez à vous organiser plus, c'est ce qu'on disait dans les premiers slides, en fait. Donc, pour résumer, dans nos priorités, c'est le long terme, le moyen terme et le court terme. Le long terme, c'est le sens fondamental de votre vie. Le moyen terme, c'est au trimestre ou à l'année. Et le court terme, c'est aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Donc, nos priorités. Donc, à vos stylos. C'était un petit exercice que je vous demandais. Comme tout à l'heure, on a vu par rapport à la personne avec le blog, il y a des priorités dans la vie. Donc, pour certaines personnes, ça va être les enfants, l'amour, le loisir, le travail. Et dans une autre pyramide qui peuvent être totalement différentes, ça peut être le travail, les amis, le loisir ou l'amour. Donc ça, vous voyez, dans le premier cas, la priorité, le sens fondamental, c'est pour à long terme, c'est ses enfants. Après, c'est l'amour. Après, c'est le loisir à moyen terme et le travail à moyen terme. Par contre, votre pyramide, à vous, elle peut ressembler à quoi elle pourrait ressembler à vous, votre pyramide. Si vous devez faire une pyramide comme ça, à long terme ou à moyen terme. Bonsoir Cyril, bonsoir Aurélie, bonsoir Elisabeth. Moi, ce serait. Mais c'est dur, parce que c'est dur de mettre. Et là, c'est un exemple, hein. Ouais. Tu peux partir sur ta santé, admettons, hein. Sur le sens fondamental, c'est la santé, parce que tu penses à toi, parce que tu te rappelles du premier exercice où tu t'es centré sur toi. Oui, mais moi, je mettrais quand même mes enfants en premier. Donc, tes enfants à long terme, Mes amis, tes amis, ma santé. Travail, loisir. d'accord.
Donc, avant toi, tu as tes enfants, tes amis. D'accord. Et Stéphanouille, Moi, est-ce c'est mes amis, ma santé et ma famille. Donc, il y a Aurélie qui nous dit, moi, c'est la première pyramide. Donc, Aurélie, pour toi, c'est tes enfants, l'amour, les loisirs et le travail. Ben, merci, Aurélie, d'avoir participé et de nous avoir répondu. Et pour les autres, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous choisirez dans votre pyramide? Donc, Stéphanie, toi, c'était, donc, tu as dit tes Mes amis. amis, ta santé et ta famille. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Eh bien, donc après, est-ce que quelqu'un se retrouve dans la deuxième pyramide ou est-ce que quelqu'un veut exprimer une pyramide où vous le voyez-vous en fait? Vous voyez que ce n'est pas facile. Et en plus, Oui. vous pouvez avoir plusieurs pyramides. Hein. C'est-à-dire que là, on parle de quelque chose qui est essentiel des enfants. En premier lieu, c'est mon association. Ça, mon mari le sait. C'est ton bébé, hein? C'est mon sens fondamental. Après, c'est mon mari. Et après, c'est mes amis. Et après, c'est mes loisirs. Mais en fait, mon association, elle regroupe tout le reste que j'ai dessous, en fait. Ouais. Si je n'ai pas mon association, je n'ai pas tout le reste. Pour moi, pour moi. Ouais, tu auras quand même ton mari et tes amis. Oui, mais ça ne serait pas la même chose. Je n'aurais pas le même sens à donner à mon existence. Vous Oui. voyez que ça tient à des choses qui ne sont pas compréhensibles pour des autres. Hein. Des fois, il y en a qui te disent, mais pourquoi tu donnes autant à ton association? Parce que pour moi, si je n'ai pas cette association, c'est comme si tu m'enlevais une partie de moi. Oui. Et si tu m'enlèves une partie de moi, ben le reste, C'est branlant. c'est plus le sens de mon existence, en fait. Et je l'ai dit, et si mon mari m'écoute, hein, un jour, je lui ai dit, mais ne me demande jamais de choisir entre toi. Il ne me le demandera jamais. Hein, mais s'il me dit de choisir entre lui et mon association, mais je choisirai mon association. Parce que mon association, c'est ce qui me permet de vivre. C'est ton oxygène. C'est ça. Et il y a des personnes, c'est pour ça que ce travail-là, il est très personnel. Et personne ne peut vous, Ouais, faire la pyramide pour nous parce voilà, peut faire la pyramide pour vous. Et puis, que vous pouvez avoir plusieurs pyramides. Hein. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir ça. Il peut y avoir une pyramide sur la santé. Donc, en priorité, c'est ma santé. Après, c'est comme une histoire du blog. C'est ma santé. En deuxième priorité, c'est prendre mes rendez-vous. Et ma première priorité, c'est aller à mes rendez-vous, qui sont les plus urgents. Donc, vous voyez que ça, vous pouvez faire toute cette manière de faire les pyramides, vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. c'est qui nous parlait à la visio. Oui. Ah, je fais le Merci. parcours au Gros du Roi, c'est moi qui vous parlais lors de la visio. Ah, d'accord. Super. Ah, c'est bien de nous avoir rejoints. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs pyramides et plusieurs priorités. Et personne surtout. Donc, Claudette dit mes enfants, ma santé, mes amis, ma famille. Voilà. Eh bien, vous voyez que si vous posez ça sur un papier, vous pouvez vous rendre compte que des fois, eh bien, vous vous égarez dans tout ça. Et vous perdez le sens des choses. Donc, je pense que des fois, être en introspection avec soi-même et se poser des questions, ça ne prend pas 3 heures. Hein. Là, on n'a pas défini ça pendant longtemps. Hein. Ces pyramides, c'est pas fixe. Et non. C'est toujours en Mais évolution, c'est en fait. ça. Moi, au début, si j'avais pas, quand j'avais pas mon association, ben, la première chose, c'était mon mari. Et après, le reste, c'était mes animaux. Et là, maintenant, ben, ça va. Mes animaux, ils font toujours partie de moi parce qu'ils sont essentiels. Et tu vois, tu peux faire une pyramide qui a plus de moyen et long terme, en fait. Les animaux, c'est tous les jours que je m'en occupe.
parce que j'ai décidé d'avoir des animaux et pour moi, ça fait partie de... C'est comme si c'était mes enfants aussi. Mais ils ne sont pas sur le haut de la pyramide. Alors que vous, vos enfants, ben c'est sur le haut de la pyramide parce que c'est autre chose. Donc, vous, c'est important de vous poser ces questions-là, je pense. Et après, les enfants, c'est pareil. Ça dépend aussi de l'âge qu'ils ont. Une fois qu'ils sont autonomes, qu'ils sont majeurs et qu'ils font leur vie, ce n'est pas les mêmes priorités. Mais même si on les aimera toujours, mais c'est autre chose. Mais c'est ça. Les priorités changent. Voilà. Moi, je dis que faire des priorités ces enfants, les enfants, après, vous les faites. Hein, vous n'allez pas les garder pour vous. Hein. Ah ben non. Et donc après, des fois, si vous visez tout sur vos enfants, imaginez-vous, il y a des enfants qui s'en vont dans un autre pays, dans un autre endroit, dans une autre région. Et si vous avez fait votre sens fondamental autour de ça, de cette vie-là, eh bien, vous êtes déstabilisé en fait. Ah, une nouvelle pyramide que mon problème de yeux se règle rapidement. Donc ça, c'est sur la santé. Donc ça, ça peut être, voilà, c'est sur la santé. Donc vous voyez que vous pouvez avoir une multitude de pyramides. Mais il ne faut pas avoir peur de la renouveler. Et oui. Et en plus de ça, c'est les problèmes de deuil de ma mère, parce que si vous ne savez pas, Claudette Doma, c'est ma maman. Les problèmes de deuil de ma mère, c'est elle que ça va y impacter dans son quotidien. Donc c'est son problème personnel et ça l'impacte elle personnellement. Donc sur sa santé, ça c'est une priorité parce que c'est ce qui la gêne le plus en fait. Donc vous voyez bien qu'après dans la santé, on va revenir plus soi avec soi-même. Et c'est pour ça qu'elle honore plus ses rendez-vous. Alors, Agnès, coucou à vous. Je te comprends pour ton existence, de ton association, c'est ton pilier. Moi, c'est ma famille, mon étoile, mon chat, ma santé, la nature, mes amis, mes loisirs. Musique 100% vivre pour le meilleur. Eh bien oui, et ton étoile, je pense que Mimi, Agnès, c'est notre étoile. Et Mimi, moi, je la place aussi en haut parce que Mimi, c'est l'étoile de mon association comme... trois autres étoiles que j'ai. Aurélie qui dit effectivement, moi j'ai deux filles de 10 ans et 12 ans. Pour l'instant, mon but, c'est de les voir grandir. Mais effectivement, en grandissant, on leur laisse plus d'espace et donc plus de temps pour nous. Du coup, le gros du roi. Ah ben voilà. Donc du coup, ben, tu penses à toi en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est pas pour ça que tu abandonnes tes enfants. C'est là où il ne faut pas avoir de culpabilité parce que des fois, on a une culpabilité que on se sent coupable de se dire oui, ben ce temps qu'on prend là, on aurait pu passer voilà. À faire ça pour les autres, à faire ça, mais non. Et être là pour mes enfants alors que j'ai l'impression de les abandonner et de rester 15 jours quelque part pour penser à moi. Et ça, c'est important. Parce que de toute façon, si on est bien, nos enfants seront bien. C'est ça. Même les enfants, je pense qu'ils le sentent et puis ils le demandent en fait, hein. Alors, ils ne le formalisent pas exactement comme on voudrait qu'ils le formalisent, mais ça fait du bien, des fois, à des enfants de voir une maman qui n'est pas forcément bien avec ses problèmes de poids ou quoi que ce soit. Eh bien, ils ne prennent pas ça pour un abandon parce qu'ils se trouvent, ils trouvent que c'est important que sa maman ou les parents ou le proche prennent du temps et ils ne se sentent pas mis à l'écart, en fait. Il faut juste mettre des mots et communiquer, et bien communiquer. La communication, elle est essentielle, en fait, aussi. Moi, je sais que moi, maintenant, mes enfants sont majeurs, ils sont grands, ils le verbalisent. Et ils sont contents de voir que je vais mieux, que je suis bien, que j'ai rencontré l'association, que j'ai des buts, que j'avance, quoi. Ils me le disent, et ça fait plaisir. Eh bien, oui, mais c'est ça. Mmh. Et des fois, quand tu as des enfants qui sont plus jeunes, on dit je ne vais pas les laisser pour aller prendre du temps pour moi, je ne vais pas laisser ma famille. Et bien, les enfants, ils comprennent. Il faut juste, je pense, mettre des mots et les devancer en fait et expliquer. C'est ça. Alors, poser des objectifs. Alors ça, on en avait parlé.
on en avait quand même souvent parlé, mais moi je trouvais que c'était important que on ne pouvait pas passer à travers les priorités en disant pourquoi c'est important de poser des objectifs. Donc pourquoi? Pour construire des objectifs avec nos priorités. C'est-à-dire que dans nos priorités, il doit y avoir des objectifs qui sont mis et trouver une organisation. Parce que si vous ne faites pas les objectifs dans vos priorités, eh bien vous allez vous perdre et vous allez vous désorganiser. Et donc, on en revient toujours sur la même chose. Et comment mettre en place, en face de mes priorités, une même pyramide avec les objectifs MARS. Donc, c'est spécifique, mesurable, acceptable, dans le accessible plutôt, parce que ça me trompe avec les termes. Accessible et dans la temporalité. Il faut poser des objectifs qui soient réalisables. Si vous partez sur une priorité avec des objectifs qui ne soient pas réalisables dans vos priorités, eh bien vous allez mettre tout à mal dans votre pyramide, en fait. Ah, mais c'était déjà fini. Mais j'ai raté quelque chose, non? C'était ça. Donc, pour les objectifs, et les objectifs, quand on regarde les objectifs qu'on peut poser, bonsoir Véronique, les objectifs qu'on peut poser, c'est quand on vous parle de process, en fait, vous rappelez qu'il y a vous en bas, l'objectif en haut et des micro-objectifs. Et bien là, c'est des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en fait, dans vos priorités, vous allez faire la même chose. Dans mes priorités, quels sont mes objectifs? Donc, vous allez prendre une priorité, vous allez faire le process à tes souhaits. Vous allez faire le process, je suis là, ma priorité est celle-là, à long terme, à moyen et à court terme. Et vous allez faire des objectifs dans vos priorités. Donc, vous allez partir de là et vous allez créer des micro-objectifs. Et comme tu disais tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est que bien souvent, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on prévoit des choses et que les choses nous rattrapent. On prévoit dans nos priorités, on se dit, je vais aller pédaler et je vais aller faire du vélo. Et un objectif à long terme, c'est que dans un an, je puisse aller à Sanary. Et là, il te tombe sur le coin de la casquette un problème de santé et tu ne peux plus le faire. Il y a tout qui s'effondre en fait. Donc, tu arrêtes l'activité physique parce que tu es obligé. Ça fait 4 mois que j'ai arrêté l'activité physique. Eh bien, c'est sûr que ça te met à mal. Et ça te met à mal moralement, psychologiquement, physiquement. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou tu t'effondres et tu te laisses aller, ou tu remets des priorités en place parce que justement, tu as des obstacles de vie que tu n'avais pas prévus en fait. Et ça, c'est super important de voir que tu es quelque part, tu es bien obligé de voir que des fois, tu as des ralentisseurs qui se posent, c'est comme les dos d'âne. Tu arrives, tu es lancé sur une voie, tu roules à 50 à l'heure et tu as un dos d'âne. T'es secoué. Eh bien, tu as un dos d'âne où tu ne ralentis pas et là, tu laisses ton bas de caisse où tu es secoué et tu te prends une brave bosse. Et là, tu vois que tu ralentis parce que, ou au passage piéton. Au passage piéton, si on revient au code de la route, au passage piéton, s'il y a quelqu'un qui s'engage, tu vas lui laisser la priorité parce que c'est lui. Sinon, tu le prends sur ton capot. Ça te semble complètement naturel en fait. Quand tu as le feu qui passe au rouge, tu t'arrêtes et au feu vert, tu redémarres. Et bien, dans votre vie, c'est pareil. Il ne faut pas s'oublier, je pense. Parce que si on s'oublie, après, et bien, on est. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. Il y a un moment où on s'en rend compte et on n'est pas bien.
Mais on n'est pas bien et surtout. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais on ne s'en rend pas toujours compte et puis bien souvent, on ne veut surtout pas l'entendre. Oui. Même si on s'en rend compte, des fois, alors il y a des personnes qui peuvent se voiler la face. Et il y a des moments qu'il y a certaines personnes qui le disent, mais on ne veut pas l'entendre. Parce que surtout, moi, non, je n'ai pas ce problème-là, en fait. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc, la problématique, c'est qu'il y a plein de facteurs qui vont faire que on va être toujours mis à l'épreuve dans nos priorités, dans nos objectifs. Et quand on se fixe des priorités et des objectifs, il faut être honnête avec nous-mêmes. Oui, et c'est pas évident. Facile. C'est pas évident, pourquoi ? Parce que l'autre va nous culpabiliser. Oui. Parce que l'autre va se faire passer pour un caliméro. C'est parce ça. Que l'autre va dire, eh bien oui, mais c'est toi. Et parce que tu as peur que l'autre t'abandonne. Qu'il t'aime plus. Qu'il t'aime plus, que tu n'aies plus la place, que tu te retrouves seul. Non, mais c'est sûr. Donc, tu as beau essayer de faire des choses et de prendre des engagements, tu décides d'écrire certaines choses pour être sincère. C'est la phrase que j'ai écrite. Être sincère, honnête et franche, eh bien, hop, il y a toujours peut-être quelqu'un qui va retourner ça de manière à ce que toi, la méchante, en fait. Ah ben, oui. Et ça, qu'est-ce que tu peux changer ? Donc, fixer des objectifs, s'y tenir, c'est être franche avec soi-même, mais c'est surtout pas laisser la possibilité aux autres de nous laisser le doute, en fait. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie ? Je lis ce que j'ai marqué. Parce que des fois, on fait passer les autres avant nous et puis on se prend une grande claque. Ah, ça, c'est sûr. Tout seul comme un con et on se dit... Il ne faut pas laisser passer les autres avant nous. Nous en premier, les autres après. J'ai perdu des années. J'ai tout donné pour quelqu'un et je me retrouve seule comme un... Eh oui, mais ça s'appelle l'apprentissage. On apprend. Oui. Et du coup, les priorités... C'est plus les mêmes. Eh oui, mais il faut que tu apprennes. Hein. Tu vas replacer tes priorités, mais ça ne voudra pas dire que tu ne vas pas de nouveau te recasser la gueule, en fait. Oui, mais les erreurs qu'on fait, on ne les renouvelle pas forcément. Eh bien, mais c'est ça l'apprentissage. Et heureusement. Mais sauf que, juste, je lis ce que dit ma mère, tout est déjà posé pour moi, les rendez-vous, les ateliers de l'association... que je reprends certaines choses programmées à l'avance auxquelles je participe avec plaisir. Donc, ça veut dire que tu t'es recentré sur toi. Mais pour en revenir à ce que tu disais là, redis-moi, je ne dis pas forcément. Que ben, des fois, quand tu fais passer les autres... premier, tu te casses la gueule. Des fois, tu, oui, tu tu te retrouves seul. Donc, tu dis, ben, tu, pas forcément, tu ne réitères pas. Mais alors, non. Je ne sais pas vous... Mais moi, j'ai été pris parce que j'ai un sale caractère, sûrement un mauvais caractère, mais j'ai l'impression toujours que celui qui va arriver est celui qui va me dire des belles paroles, même si je me suis fait couillonner avant, mais je vais avoir tendance à le croire, parce que je vais me dire qu'il n'est peut-être pas pareil que les autres. Donc, je ne vais pas douter. Et donc, sur certaines choses, c'est compliqué parce que suivant comme tu es toi, au fond de ton cœur, émotionnellement, et bien l'expérience, l'apprentissage, va faire que peut-être tu t'es pris une gifle, tu dis on ne m'y reprendra plus, et tu recommences parce que ça fait partie de toi, de ce que tu es dans ton âme, en fait. C'est pas comme si on te dit touche pas ça, c'est chaud. Mais tu as compris qu'à un moment, tu ne vas pas aller mettre ta main sur une cigarette parce que tu vas te brûler, en fait. Oui. Ce n'est pas la même chose. Suivant comme tu es. Mais oui, ça dépend du caractère de chacun. C'est ça. Du passé, de la vie de chacun. C'est ça. Ça dépend beaucoup de choses. Mais... Après, on ne peut pas dire pour les autres, on peut dire que pour soi. Oui, mais moi, je suis persuadée que tu t'es fait avoir plein de fois dans ta vie par des personnes que tu croyais sincères et honnêtes. Ça ne t'empêche pas de redonner ta confiance à certaines personnes que tu crois sincères et honnêtes aujourd'hui. Et peut-être que dans un mois ou dans quelques années, elle te foutra une claque aussi. Oui.
Tu vois ce que je te dis? C'est ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la relation avec l'autre, en fait. Et quand il y a de l'affectif, on en revient toujours aussi à la même chose. Hein. C'est pour soi et quand c'est des choses bien matérielles, bien réglées, bien chronométrées. Mais quand il y a de l'affect dans tout ça, c'est un peu comme l'histoire des enfants. Est-ce que je vais aller au Gros du Roi et passer 15 jours et je vais laisser mes enfants chez moi tout seuls alors qu'ils ont besoin de leur maman? C'est comme quand des personnes vont à une chirurgie bariatrique et qui disent je vais expliquer que maman, elle ne va pas être là pendant 3 jours, une chirurgie de l'obésité. Je vais expliquer à mon enfant que je ne vais pas être là pour 3 jours pour que maman, elle aille mieux. Et que l'enfant, il ne comprend pas pourquoi pendant 3 dodos, maman, elle ne sera pas à la maison, en fait. Et la mère, automatiquement, elle va culpabiliser. Et moi, j'ai vu des personnes qui étaient en complication de chirurgie et qui étaient à l'hôpital. Et elles pensaient rester 3 jours. Elles sont restées 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. La première chose qu'elles faisaient, c'était culpabiliser sur ça. C'est j'ai pris une décision. Pour moi, j'ai été égoïste parce que j'ai fait une chirurgie pour perdre du poids, parce que j'ai pensé à mon bien-être. Et en fait, maintenant, eh ben, j'abandonne ma famille. Donc, c'est toujours compliqué quand on est sur des notions de relationnel et d'affect, en fait. C'est sûr. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Alors, Agnès qui dit, il faut toujours aller à nos objectifs, malgré tout le cheminement de travers qu'on peut traverser. Il ne faut pas s'oublier. Et au contraire, être personnel, l'apprentissage, c'est notre vie. Et on apprend tous les jours. Et c'est pour ça qu'on disait, la vieille ne voulait pas mourir parce qu'elle en apprenait tous les jours. Et c'est pour ça que des fois, on prend des gifles. Et en fait, moi, je pense que vous savez maintenant les problèmes de santé que j'ai eus et que je continue à avoir. Eh bien, je pense qu'en fait, des choses qui m'ont mis à terre et qui m'ont mis à mal, eh bien, il ne faut pas en vouloir à personne. C'est des épreuves qui font que ben, ça m'a bien secoué et ça me secoue toujours. Mais en fait, ces personnes-là ou ces épreuves-là m'ont permis de me rendre compte que j'avais des ressources en moi alors que je ne pensais plus en avoir, en fait. Donc, ça te permet de te surpasser et de te dépasser encore plus et de rendre compte qu'il ne faut surtout pas regretter ce que tu as vécu, ce que tu as donné à quelqu'un, ce que tu as fait pour l'un ou ce que tu as fait pour l'autre ou ce que tu as vécu avec certaines personnes et en disant « je regrette, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». Eh bien, moi, maintenant, je pense que, en fait, c'est ça l'apprentissage. Il ne faut pas regretter. Il vaut mieux vivre. Il faut jamais vivre avec des. On disait, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, il faut faire des choses, même si tu te lances dans quelque chose et ça n'aboutit pas, eh bien, au moins tu te seras lancé et tu seras allé jusqu'au bout des choses. Tu auras essayé. Voilà. Tu peux être fier de toi parce que. Et tu l'auras fait. Et puis la fois d'après, bah, tu iras un peu plus loin et puis toujours un peu plus loin. Et puis un jour, tu iras au bout. Et c'est ça. Et puis même si l'aboutissement, c'est pas l'absolu, c'est pas ce que vous rêvez, mais déjà regardez tous les pas, comme disait Agnès, c'est tous les jours. C'est pas après pas, c'est jour après jour qu'on s'aperçoit qu'on avance. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mesdames. Hein. Est-ce que tout était clair pour vous? Oui, très clair. Eh bien, moi, j'ai passé une heure, ça fait une heure, je crois, maintenant. Oui. J'ai passé une heure fort intéressante. Et j'ai bien aimé que vous ayez participé tous et toutes et vos commentaires. Ça fait du bien de voir que on est écoutés et que ces balances de ton live sont essentielles. Et c'est toujours important qu'on arrive à échanger, à discuter et voir surtout. Sur cette Aurélie qui dit merci beaucoup, ben merci à toi de nous avoir suivis. Et c'est essentiel aussi parmi les exercices qu'il y avait aujourd'hui de voir qu'on peut être complètement différent et se rejoindre sur plein de points. Mais il faut toujours se respecter soi-même et surtout respecter l'autre en fait. Donc ça sera la phrase de la fin, je pense.
Donc, respectez-vous, faites-vous respecter par les autres. Écoutez-vous et respectez les autres. Mais si vous ne vous respectez pas vous, les autres ne vous respecteront pas et vice-versa, en fait. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent week-end. J'espère qu'il va faire beau, que vous allez pouvoir profiter d'un week-end en famille ou avec vos amis ou avec vos enfants ou toute seule ou comme vous voulez, ou à lire ou à bouquiner ou à faire ce que vous voulez, mais profitez, kiffez ce week-end. Essayez de faire ces exercices-là qu'on a vus ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les sur Balance On Live, un message privé. Vous pouvez nous appeler. On sera toujours là et le sens de l'association, elle est là pour ça. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite une belle soirée. C'était un bon exercice. Une belle soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous. Ben, merci Agnès. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et on se quitte en petite musique, la même habituellement que maintenant ils nous suppriment pour les droits d'auteur. Donc à tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, on vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.